Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Si je vous dis 4 pattes, une queue, une grande carapace, vous me répondez la tortue. Et vous avez bien raison, mais laquelle? La tortue de terre, la tortue d'eau douce ou encore la tortue d'eau de mer comme la tortue Kawan? Ah, la tortue Kawan, justement, ça tombe bien, puisque c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. On y va? Allez, c'est parti! La tortue Kawan, appelée également Careta Careta, se décrit par une carapace en forme de cœur brun rougeâtre sur la partie dorsale qui représente les 2/3 de la longueur de l'animal. Elle fait partie des grandes tortues marines. Elle est caractérisée par un cou massif et une tête très large dotée d'un bec corné puissant. Sa carapace est particulièrement épaisse. Elle compense le fait que la tortue Kawan soit assez lente dans ses déplacements. En cas d'attaque d'un prédateur notamment, comme le requin, sa carapace hautement résistante lui assure une protection efficace contre les morsures, et ce, le temps qu'elle puisse s'échapper. Mais comment respire-t-elle? De quoi se nourrit-elle? Où peut-on la trouver? Allons de suite à la chasse aux réponses. T comme tortue Kawan. Bonjour Sidonie. Bonjour. Tu es capacitaire tortue marine. En quoi consiste ce travail? Alors, en gros, le capacitaire, c'est la personne qui va suivre les animaux, qui va suivre en l'occurrence les tortues marines. Ça veut dire l'état de santé des animaux, ainsi que le groupe, qui va gérer le groupe et tout ce qui tourne autour des tortues marines. Alors, peut-on faire, et si oui, comment faire la différence, surtout entre une tortue de mer, une tortue de terre et une tortue d'eau douce? Alors, en effet, ces 3 tortues sont des reptiles. Et après, vous avez la tortue de terre qui va avoir une carapace beaucoup plus bombée, qui va avoir des pattes avec des griffes, et la possibilité de rentrer aussi la tête à l'intérieur de la carapace, et qui n'a pas besoin de l'eau, d'un point d'eau pour vivre, si ce n'est pour s'hydrater. Après, il y a la tortue d'eau douce, qui, elle, en effet, a besoin d'eau. Pour pouvoir vivre. Elle peut également se déplacer sur terre. Elle a des pattes plus ou moins palmées et la carapace moins bombée. Et après, vous avez la tortue marine. Alors, la tortue marine qui vit en mer et elle vit toute leur vie en mer, justement. Et pareil, avec une carapace plus plate et plus fuselée, on va dire. On regarde tout de suite la première question. Comment la tortue Kawan et les tortues de mer, en général, respirent? Donc les tortues, elles sont dotées de poumons, comme nous, c'est-à-dire qu'elles doivent remonter à la surface pour respirer. C'est-à-dire que si on maintient trop longtemps une tortue sous l'eau, elle peut se noyer. Dans quelle mer ou océan peut-on trouver la tortue Kawan? Donc on retrouve la tortue Kawan dans toutes les mers et tous les océans du monde, on va dire. On la retrouve un peu partout. Mais c'est vrai que c'est une espèce qui est emblématique de la Méditerranée. De quoi et comment se nourrit-elle? Alors la tortue Kawan, elle est, on va dire, omnivore à tendance carnivore. Ça va être une tortue qui va manger particulièrement tout ce qui est crustacés, crabes. Elle va pouvoir aussi parfois manger des poissons et même parfois des calamars. Donc du coup voilà, elle mange un petit peu de tout. Elle est assez opportuniste et elle cherche un petit peu tout le temps à s'alimenter. On regarde tout de suite une nouvelle question. Combien de centimètres mesure la carapace de la tortue Kawan? Alors en fait, on va dire, les tortues marines, elles grandissent tout au long de leur vie sans jamais vraiment s'arrêter de grandir. Quand elles naissent, elles sont toutes petites, elles font 4 à 5 cm et elles ont une vitesse de croissance très rapide les premières années et petit à petit, cette croissance ralentit sans jamais vraiment s'arrêter. Mais on a des individus, bien sûr, qui à taille adulte, les mâles, peuvent atteindre de très grandes tailles et pour des poids dépassant les 100, 140 kg pour la tortue Kawan.
qui détermine les sexes des bébés? Donc, à l'intérieur du nid, il va se créer un gradient de température. D'accord. Avec, en profondeur, il va y avoir les températures les plus froides et en haut du nid, il va y avoir les températures les plus chaudes. Et le sexe de l'embryon va dépendre de la température d'incubation à laquelle l'embryon est. On va dire qu'à des températures entre 28 et 30 degrés, les embryons seront mâles, et à des températures entre 30 et 30 degrés, les embryons seront femelles. D'accord. Alors tu es venu avec deux objets qui sont des moulages, c'est ça? Exactement. En fait, ce sont des moulages du coup taille réelle. On voit comment se place l'embryon de la petite tortue à l'intérieur de l'œuf. Mmh. Ça, c'est donc un œuf avec l'embryon de la tortue, oui. Exactement. Et ensuite, à l'éclosion, on voit et on a une idée de la taille réelle d'une petite tortue à l'éclosion. Donc elles sont vraiment toutes petites, elles pèsent quelques grammes, elles sont autour de 20 grammes pour une taille de 5-6 cm. Et à taille adulte, elles peuvent aller jusqu'à 140 kg. Comment se passe la reproduction et l'émergence des bébés? Alors la reproduction, en gros, les mâles et les femelles vont se retrouver au large des plages de ponte et ils vont s'accoupler. Ensuite, les femelles vont revenir sur le sable et pour ce qu'on appelle l'oviposition, pour la ponte. Il faut savoir que ces animaux ne sortent jamais de l'eau tout au long de leur vie, sauf les femelles pour pondre. Donc elles vont remonter sur le sable, les femelles vont fabriquer un nid avec leurs pattes arrière, elles vont creuser un trou où elles vont déposer les œufs, elles vont recouvrir le nid de sable et elles ne vont pas s'en occuper, elles vont repartir à la mer. Le développement des embryons à l'intérieur de l'œuf se fait de manière autonome dans le nid. Et au fur et à mesure du développement, qui va durer entre 50 et 60 jours, mais ça dépend de la température d'incubation du nid, il va y avoir l'éclosion et ce qu'on appelle l'émergence. En gros, les premières tortues vont commencer à percer la coquille dans le nid, mais elles vont comme s'attendre un petit peu toutes les unes et les autres pour pouvoir toutes ensemble faire l'ascension du nid. T'es en train de dire qu'elles communiquent entre elles? On peut pas dire ça, voilà. Je ne sais pas si on peut parler de communication, mais en effet, on imagine que quand on a 100 œufs dans un nid et une seule tortue pour remonter un nid qui peut monter jusqu'à 70 cm de hauteur ou de profondeur, c'est beaucoup plus compliqué que quand elles sont toutes ensemble et il va se créer un mouvement en hélice et petit à petit, les tortues vont pouvoir remonter, percer la surface et ça va être la course vers la mer. Que peut-on faire si on en trouve une blessée? Si quelqu'un observe une tortue, même si elle n'est pas blessée, c'est toujours très intéressant de relever cette observation. En effet, on n'a toujours pas énormément de données sur les tortues marines. On doit encore apprendre et apprendre sur leur mode de vie, sur l'écologie, la physiologie, tout ce qui a trait aux tortues marines. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir des données. Maintenant, si une tortue est en difficulté, il existe des centres de soins pour les tortues marines. Il en existe en Atlantique, il en existe en Méditerranée. Et ici, pour le département Alpes-Maritimes et Var, il y a le centre de réhabilitation de la faune sauvage. Et donc, où il y a une équipe qui peut prendre en charge l'animal, justement, pour porter les soins à cet animal et ensuite pouvoir le remettre dans le milieu naturel. La tortue marine est-elle menacée et avec quoi confond-elle les sacs plastiques? Alors aujourd'hui, il existe 7 espèces de tortues marines et les 7 espèces sont menacées. C'est-à-dire qu'il existe une liste rouge, on appelle la liste rouge de l'UICN. C'est une liste où on alerte justement sur des problématiques au niveau des populations des individus qui y sont inscrites. Et en effet, toutes les tortues marines sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Avec quoi confondent-elles les sacs en plastique que nous jetons parfois dans la mer? Alors, par inadvertance, évidemment. Ouais, oui. Alors, la problématique des déchets, c'est une vraie problématique avec les tortues marines qui vont être opportunistes et se mettre un petit peu à manger tout ce qu'elles trouvent. Et en fait, la tortue marine, elle est devenue indicateur du milieu dans lequel elle évolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'elle va ingérer, on va pouvoir dire si le milieu dans lequel elle a évolué était pollué ou pas pollué. Et en effet,
il y a une des espèces, particulièrement la tortue lutte, qui va confondre le sac plastique avec les méduses. Et en effet, on peut nous-mêmes parfois avoir cette confusion-là. Et il y a cette problématique qu'elle soit susceptible d'ingérer des sacs plastiques. Que faut-il faire pour protéger la planète et notamment les océans? De toute façon, ça, je pense que c'est des gestes quotidiens. La gestion de nos déchets, évidemment, et bien sûr aussi d'avoir une éducation plus éco-citoyenne en faisant très attention toujours à notre consommation. Puis je crois que c'est surtout avoir un regard sur le vivant différent et de porter attention à notre environnement. Merci beaucoup Sidonie pour toutes ces informations. Et bien voilà, ainsi s'achève l'ABCDR des animaux spécial Tortue Kawan. On revient très très vite pour de nouvelles aventures. Salut !